On savait qu'il fallait un représentant il y a 6 mois de ça. C'était trop frais pour faire confiance à qui que ce soit. Et même si on met quelqu'un qui nous représente, il sera acheté ou bien arrêté. S'il est en Algérie, il sera arrêté, probablement acheté. S'il est à l'international, il ne sera pas arrêté. Mais pour être acheté, c'est très simple. Quand le peuple choisit un représentant, il ne le choisit pas en tant que représentant avec carte blanche. C'est un représentant qui a déjà délimité son champ d'action. C'est-à-dire, il est là pour dire, on vise cet objectif-là. Lesquels vous choisissez un représentant? Très au moment, vous avez une carte blanche. C'est normal, il y a un club. بصح لكان تخيل ممثل قال حنا خيرناك بصح على هذا الاساس على هذا الاتجاه كون تخرج منه حنا نلغيه عندك الشرعيه نتاعنا هذا واش الناس لازم تترقى للموضوع هذا Monsieur Rahman, ils n'ont pas compris entre un représentant et un décideur. Un représentant, c'est un porte-parole. Exactement. C'est un porte-parole Bravo madame. du Hirak. Le représentant, c'est un porte-parole Uniquement. Il n'est pas qui décideur. transforme les revendications de sa chair en termes politiques, en revendications politiques. Ce n'est pas un décideur. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider de lui-même. Moi, je suis un homme qui va décider de lui-même. Il y a un homme qui va décider de lui-même. Il y a un homme qui va décider de lui-même. Il y a un homme qui va décider de lui-même. Il y a un عبر صناديق الاقتراع، عبر الشفافية، عبر دولة القانون. لأنه الناس اللي تخيرت ديسيدار، رانا نشوفوا الناس اللي تتبع في مقري، مقري يبيعهم لأي سوق، مقري يبيع سعيد بوتفليقة، بعد بوتفليقة، بعد قايد صالح، يبيع درك التبون، يبيع حتى لأي هجالة سياسية عندها قوة أو نوع من السلطة. فهذا عاهرة سياسية، سي اون بروستيتيو بوليتيك. شفنا الجيلاني سفيان ولي ديكلاراسيون تاعو الور لا دابور الى تراي مواطنه من قبل لا ميتون الى تراي لو بابل كوا كي باس با غران شوز جيلاني سفيان اون لوي ميم بيه بالحزب تاعو اي باس با غران شوز ما يوزن والو لا في الحراك لا في الشعب الجزائري لا في الثوره الجزائريه لكن النظام يستعمل هاد الناس اللي عندهم نوعا ما صوره إعلامية باش يغلط الرأي العام لكن هذه الناس ما توزنش كذلك العناصر اللي جابها النظام وحطها عنده شهرين وثلاثة وبدأ يعقب فيها في البلاطوهات وبدأ يعطيها في مصداقية في وسط الحراك والشارع هذا على واش باش غدوة يجيبها يقول لك هذا هو الشارع لا لا ماشي هذا هو الشارع المناضلين الحقيقيين نتاع الثورة الشعبية ما عندهم شهرين خدمة عندهم أكثر بكثير من أول حراك Il y en avait plein. Avant le Hirak. Bien avant le Hirak. Voilà. Alors, Salima vous dit, la main tendue au Hirak, c'est pour diviser la façade civile du régime militaire qui persiste depuis 62. Donc, c'est une mascarade. Nos malheurs, c'est dans nos politiciens corrompus et voyous. Très bien, Madame Salima. Je vous rejoins parfaitement. Anna Lara et Madame Salima. Madame Salima, eh ben écoutez, ben vous êtes clairvoyante. Eh ben c'est la vérité. Les pseudo-politiques qui existent en Algérie, c'est des lâches, des corrompus, Djoubana, Khawana, Mortazika, Mortachim. Il y a un irédoua, il y a un quota sur le Parlement ou un quota sur le Mahliyet, il y a un chèb, il y a un zerma. Un peu de Doubeb, hein, du coup, ça nous perturbe un petit peu. Bon, Doubeb, tu écartes. Pour les questions des gens, les questions intéressantes, Doubeb, on s'en fout. Ça. Alors, M. Rahmani, on vous dit, est-ce que la France décide tout? Si elle ne décide pas tout, elle décide au moins 90%. Mais il faut faire la différence entre la France métropole, moderne 2019, et la France coloniale, qui vit encore en Algérie. De quelle France on parle? C'est beau, elle fait partie de la France coloniale. On l'a dit, ça y est, oui, c'est terminé. Oui, une question. Non, jamais ça va pas, je sais. Comment c'est? Alors, M. Rahmani, voilà.
Monsieur Ahmed, vous pensez que la violence du peuple est plus forte et plus efficace que la violence de l'État? La violence du peuple, ça veut dire quoi? C'est une question. Le peuple est plus puissant que tout gouvernant. Parce que le peuple, c'est la source du pouvoir. Bon, les gens qui... Oui, parle pas... Doula, le gouvernement, mange des pistanes. Allah me l'hint. C'est des Algériens. Mais les rangs de l'armée sont alimentés par qui? Par les enfants du peuple. Sauf le djeish. Menin staqil afrad n'taha. Menin sha'b. Sauf le dark, menin sha'b. Sauf le shorta ou le khorta. Menin sha'b. Donc le peuple est source de pouvoir. Le peuple, c'est la vraie puissance. Kun sha'b. Yelja. Il a tassadé le tohma hadi. بنفس العنف اللي الطعمة هذه تصدع به يقضي عليها في خلال أسبوع ما عندها شوية صراح ما تقضي الولو ما تقضي الولو ما كانش طعمة ديكتاتورية استعمالية بها بالعسكر متاحها اللي ماشي معها بالبوليسية تاحها بالبلطاجية تاحها تغلب شعب كي يقول الشعب درك يا أنا D'ailleurs, Monsieur Rahmani, Madame Wahiba vous dit, sachant qu'ils vous écoutent, vous êtes en train de dévoiler la stratégie du CRUIA, ils sont capables de casser la résistance. Non ? C'est une question. On est obligé de communiquer par rapport à la stratégie du CRUIA. Maintenant, s'ils veulent casser, ils vont essayer, bien sûr. Parce qu'ils ont le Qarouda, ils ont le Chiatine, ils ont le Hassine, ils ont le ils ont tout ça. Sauf que le CRUIA, il s'inscrit dans une ligne politique tellement, yani, canaliser que aucune chance. Le CRUIA, on ne peut pas se mettre en face de lui. Peut-être ils vont blaire à côté ou aboyer, mais ils ne sont jamais dans la ligne du CRUIA. Même si on dévoile notre stratégie, ils ne peuvent pas la bloquer. Justement, le CRUIA va agir sous forme d'un esprit révolutionnaire qui insuffle les actions à une faction réellement active terrain, mais de manière horizontale. Seyed Rahmani, قالولك ما تقولش بلحية وسمي الخاين باسمه وش حب يقول اللي عنده لحية خاين؟ مقري فركوس صنيطرة هذا كل قنيطرة الله شبك اسمه نايا صنيطرة اسمهم قاع هذوك الأئمة تاع النهار شيخ فركوس سلفية قاع كيما راهم مدني مزرق les anciens اللي كانوا في الجبل خدامين شي خدام مع الدوله شي ما على بالوش بها داز عليها كي لبهيم هادو بوك القاع على شكون خاف منهم والله